Santa mi alma saque, y namponse yela. Santa mi alma saque, y namponse yela. Y namponse yela. Y Santa mi alma saco ende, namponse yela. Yes, I'm Pamiyama Sake, Inam Ponsa Yela. Sampa Mwiligri Sake, Inam Ponsa Yela. Sampa Mwiligri Sake, Inam Ponsa Yela. Sampa Pamiyama Sake, Inam Ponsa Yela. Sampa Pamiyama Sake, Yam nam ponsa yela, champa mwiligri sake, yam nam ponsa yela, champa mwiligri sake, inam ponsa yela. Champa miyama sake, inam ponsa yela, champa mwiligri sake. Yenam ponsa yela, champa mwiligri sake, inam ponsa yela. Ô Père Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi, devant également ta parole. Nous devons te supplier. Donne-nous ta parole. C'est la nourriture à nos âmes. L'être humain ne doit pas vivre seulement de la nourriture. Par des paroles qui sortent de ta bouche. Je supplie, bénis cette parole. Ceux qui vont t'écouter, écoute-les. Ceux qui vont t'honorer, s'il te plaît, honore-les. Si quelqu'un a des problèmes pendant son audition, délivre-le de ses problèmes et bénis-le en retour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes très réjouis du fait que Dieu veut que nous ne privons pas de la lumière de sa parole. Celui qui a la parole de Dieu, c'est la personne de Dieu qu'il a. Raison pour laquelle, même dans le monde, la fille qui a les propos du gars, c'est cet homme que la fille possède. Raison pour laquelle, si vous avez la parole de Dieu, vous êtes pour Dieu. Voilà pourquoi également. Nous devons ensemble rentrer dans la parole de Dieu. Nous te prions, recevez cette parole avec humilité. Si vous honorez la parole de Dieu, la parole va vous honorer. Notre thème est intitulé « Obéis à ce que toi tu vois ». Ce que tu vois, obéis-le. Il y a beaucoup. Si c'est un trou, la fois il faut que ton œil t'a montré, de chaque accepte, obéis à ce que l'œil t'a montré. La pour ne pas tomber dans ce trou là. Si c'est bien, la il faut que ton œil t'a montré, dans lequel il n'y a pas de problème, obéis à ce que tu vois. Ainsi, c'est ce qui est intitulé notre thème. Nyabo. La vision. Nyabo. La vision aide l'homme. Si quelqu'un a une vision et qu'il obéit à cette vision, cette personne se préserve des problèmes. Également, si quelqu'un n'a pas de vision et s'il est instruit, il obéit à ses instructions, il va se préserver des problèmes. Raison pour laquelle, après avoir créé l'homme, Dieu a pensé à la vision, à la lumière, que toute personne obéit à la vision. Genèse chapitre 4, verset 6. Dans ce passage, il est dit, alors l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu as agi bien, tu relèveras ton visage.
Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Caïn adressa la parole à son frère Abel en lui disant, la bam simbe oui. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondait, je ne sais pas. Je suis le gardien de mon frère. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit. De la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère que ta main a versé. Là où nous avons lu, la parole de Dieu nous instruit que Caïn ne voyait pas, il était sans vision. Il ne savait pas, il était ignorant. C'est Caïn et de son frère Abel que Satan a présenté son offrande devant Dieu. L'offrande d'Abel a été agréable à Dieu. Tu vas me dire Abel Kuhn. Et Dieu fut favorable à Abel. Et non à celui de Caïn qui n'est pas digne. Caïn était irrité. Dans ses fureurs, il eut des mauvaises pensées. Et Caïn, dans sa colère, et il médite le mal. Il ne voulait pas repartir chercher l'offrande dite de Dieu. Il décide. Donc, du fait que Dieu a accepté l'offrande de son frère et non son offrande qui tue son frère. Alors, Dieu qui est le lecteur du cœur, il a déjà fini avec le cœur de Caïn. Et il s'avérait que dans le cœur de Caïn fut inscrit ainsi, je vais tuer mon frère Abel. Puisque tu as tenu favorable à sa prière et non à la mienne. Et Dieu dit à Caïn, quelque chose veut se passer dans ton cœur. Et si cela est exécuté, cela n'est pas bien pour toi, Caïn. Si tu fais cela, alors ce péché va s'emparer de toi. Parce qu'il y a une malédiction dans ton action. Si toutefois tu arrives à l'exécuter, efforce-toi que ce qui est dans ton cœur ne soit pas accompli. Caïn a eu la grâce que Dieu lui-même fut son enseignant et il a lu les pensées de son cœur et il lui a instruit. Il lui a dit de lui. Après la voix dit ainsi, viens-moi. La lumière est venue. La voix est dit, l'homme, quelqu'un qui n'a pas de vision, s'il est instruit et il obéit à ses instructions, alors il se préserve des problèmes. Quand il n'a pas la vision, Dieu lui a indiqué, mais il a refusé. Cela fait que Caïn ne fut pas préservé de la malédiction. La vision, si vous l'honorez et si vous l'obéissez, vous allez vous préserver des problèmes. Caïn est allé tuer son frère. Et après cela, Dieu est venu. Ne t'avais-je pas dit? Le problème est là. Le problème est là. Maintenant, voici les conséquences. Une malédiction viendra sur toi. Si tu cultives, le sol ne va rien te donner. Tu serais un vagabond. Tu serais un errant pour commander ça. Vous voyez,
Quelqu'un qui est sans vision. Quelqu'un qui est sans connaissance. Et si cette personne est instruite. Et s'il obéit à ses instructions. Alors il se séparera des problèmes. N'imitez pas Caïn. Nous lisons dans Genèse 12. Verset 1. Genèse 12. Verset 1. Au verset 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Ceux qui te bénissent seront bénis. Et ceux qui te maudissent, je vais les maudire. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham. Parti comme l'Éternel le lui avait dit. Là où nous venons de dire, Abraham ne voyait pas. Il ne savait pas non plus. Il était dans sa famille. Il y avait toutes choses en abondance. Et Dieu lui dit, Abraham, je veux que tu quittes de ton pays. De ta famille, de ta tribu, et vas-y là où je vais t'indiquer. Tu vas y demeurer, car une alliance et une bénédiction est préparée, et là où tu te trouves à l'heure de là, tu ne peux pas hériter de ces promesses-là. De ce pays, ces promesses ne peuvent jamais s'accomplir sur toi. Alors tu iras là où je vais te montrer. Abraham a obéi. Il ne voyait pas. On ne lui a pas montré. C'est de cette nation-là. Alors il a commencé à marcher. Et Dieu, quand il a parlé, Abraham s'est saisi de cela et il marchait. Il n'a pas eu le privilège d'avoir la Bible comme nous en avons aujourd'hui. Les paroles venaient du vent et dans ces miracles également. Abraham plut. Et Dieu a accompli ses promesses sur Abraham. Lève-toi, va-t'en de ton pays. Et il s'est levé. Quitte ta famille. Il a quitté effectivement. C'est pas que Abraham n'aimait pas sa famille. Hein. Il aimait Dieu plus que sa famille. Il aimait Dieu plus que sa famille. Abraham a obéi. Raison pour laquelle Dieu l'a considéré sa foi comme un tel. Il était sans vision. Alors il a été instruit. Il a obéi. Ce qui est important. Et ce qui est dur, c'est quelqu'un qui ne sait pas et qui n'obéit pas. C'est ça le vrai problème. Et c'est un malheur. Nous lisons dans Genèse 20, verset 1, jusqu'au verset 18. Genèse chapitre 20. Abraham, il est dans le monde de Dieu. Parti de là pour la contrée du Midi. Il s'est établi entre Kadès et Shur. Il fit un séjour à Gérard. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. La grande Nava Abimelech, tu m'as mis. Abimelech, roi de Gérard, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari.
Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? La parole est la même. Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai dit avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en changeant, je sais que tu agis avec un cœur pur. Un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras longtemps. Mais si tu ne la rends pas, chasse-toi et tout ce qui t'appartient, vous allez mourir. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ses gens furent saisis d'une grande frayeur. Après cela, Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'es offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas être commis. Abimelech est là, Abraham là. Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, cela, il est vrai qu'elle est ma sœur. Ta fille la kama de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Ya elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit aller loin de ma maison, j'ai dit à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Je lui ai dit, dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, Abraham, et les donna à Abraham. Abraham et lui rendit sa femme la Sarah. Et Abraham là. Et il lui dit, voici mon pays est devant toi. Demain où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici je donne à ton frère 1000 sicles d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Elle put enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech Abraham à cause de Sarah, femme d'Abraham. Là où nous avons lu, je vous ai dit, quelqu'un qui est sans vision, quelqu'un qui est sans connaissance, si il est instruit et si toutefois il obéit à ses instructions, alors il se préserve des problèmes. Abraham Abraham a dit que sa femme c'est ta sœur. Abimelech ne savait pas cela. La femme est belle. Et si c'en est ainsi, nous avons besoin de ta sœur. Tu es sans riposte. Quand la femme a été enlevée, il est dit, quand
Quand ils ont ramené la femme dans la maison d'Abimelech, Dieu lui-même a rencontré Abimelech dans son ignorance, dans sans vision et sans connaissance. Et Dieu lui dit, Abimelech, la femme que tu as enlevée, tu mourras à cause d'elle. Si toutefois tu l'as levé, parce qu'elle a un mari, cette femme. Sachez donc que Abimelech a dit à Dieu, Dieu, tu peux faire périr quelqu'un qui est innocent? C'est Abraham qui l'a affirmé. Que la jeune fille est sa sœur. Et la femme a ratifié également que Abraham est son frère. Mais j'ai agi sans humain. J'ai fait avec un cœur pur. Et Dieu dit à Abimelech, moi je sais que tu ne savais pas. Tu fus ainsi avec un cœur pur. Je te dis la vérité afin que tu ne pêches pas contre moi. Le père. Remets, rends la femme. Sinon, toi et ta famille, vous allez tous mourir. Abimelech a obéi. Parce qu'il ne savait pas. Il ne voyait pas également. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appeler Abraham. Et lui a posé la question. Abraham dit, je crains qu'on me tuerait et me prendre ma femme. Après, Abimelech s'est levé. Alors il donna des femmes à Abraham comme servante. Et en plus des animaux, en plus des biens. Et il lui dit, alors ma nation est devant toi. Là où tu veux, vas-y. Il dit qu'après cette phase, qu'est-ce qui a amené le don? La prière. Abraham a prié. Abraham a prié. Quand Abraham a prié, Abimelech a la famille d'Abimelech était frappée de maladies. La prière a fait éteindre les feux des maladies. Qu'est-ce qui a fait naître le feu? La prière, c'est l'obéissance. C'est le bienfait. Vous voyez? Je te montre afin que tu ne pêches pas contre moi. Mes frères, de nos jours, les gens alors offensent Dieu. Alors si tu offenses Dieu, c'est à toi-même que tu te fais du tort. C'est des difficultés. Abimelech, malgré qu'il était païen, il craignait Dieu. Il y a des gens dont Dieu instruit dans leur son. Dieu leur montre sa volonté et ses gens ripostent. Alors Dieu est passé par ses serviteurs pour leur ouvrir la parole. En plus, il nie. Raison pour laquelle Dieu veut que nous prenons le chemin de l'obéissance. Et en cela, nous serons victorieux. Vous voyez, obéis à ce que tu vois. Obéis à ce que tu entends. En cela, tu serais plus que vainqueur. Ainsi, nous continuons de l'avant. Dans Genèse 31, 12. Dans ce passage, il nous a dit. Il dit, lève les yeux et regarde tous les boucs qui couvrent les brebis, sont rayés, tachetés et marqués. Car j'ai vu tout ce que tu as fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel. Où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Dans ce passage que nous avons lu, Jacob et collaborait avec son oncle Laban.
Et Dieu savait, il est un Dieu omniprésent. Parce que Satan s'y est mêlé. Et l'amour entre Laban et Abraham plus fin. Et Laban trompait, il était infidèle à Jacob. Et Dieu dit à Jacob, je désire que tu regardes tes boucles. Laban t'a dit, que si ces animaux mettaient bas des animaux tachetés, c'est pour toi. Lève-toi et regarde. Alors il court des animaux tachetés et marketés. Et j'ai vu que Laban a changé de visage contre toi. Tu vas te lever, tu vas quitter de ce pays-là. Et tu iras dans ton pays natal. Alors, Jacob a qui est ça? Il ne voyait pas. Dieu lui a montré. Il a obéi. Si vous êtes ignorant, et si on vous guidait, obéissez. Toi, tu ne sais pas. On te montre et tu n'acceptes pas. Tu veux que Dieu te fasse quoi? Tu ne connais pas l'enfer ni le ciel. Et Dieu t'a dit, si tu fais cela, si tu fais du bien, tu iras au ciel. Si tu fais le mal, si tu commets des querelles sans pardon, tu commets l'adultère sans repentant, tu marches sans repentant, et si tu es infidèle et traître, tu iras en enfer. Tu ne sais pas. C'est Dieu qui a parlé tout en écrivant. Et tu es ignorant. Dans tout cela, tu désobéis. Tu veux que Dieu fasse quoi? Alors Dieu fait cela. Pour que tout être humain n'imite pas le chemin de Caïn. Tu connais d'avance et succombe dans le même problème. C'est ce problème qui atteignit Caïn. Vous voyez, nous lisons dans Nombre 24, 15. Nombre 24, 15. Dans ce passage, il nous a dit, Balaam shinga men gomen yelia. Balaam a prononcé son oracle et dit, Rabbi biga Balaam gwam. Parole de Balaam, fils de Béor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui connaît les desseins du très haut. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se procède et dont les yeux s'ouvrent. Vous voyez le passage que nous avons lu. Dans ce passage, à Balaam, Balaam a dit, j'ai vu la vision du Tout-Puissant. Mes yeux se sont ouverts. Et j'ai vu, je me suis prosterné. Qu'est-ce qui est arrivé à Balaam? Balaam est resté dans le problème. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Et c'est lui-même qui a témoigné. J'ai vu le Tout-Puissant. Et je me suis prosterné face contre terre. La Balaam libère. Et Balaam est tombé dans l'offense. Alors il est rentré dans les mauvais conseils. Du fait qu'il est cupide. Vous voyez, quelqu'un peut arriver à voir et sa vision ne l'est pas. Quelqu'un peut connaître et sa connaissance ne lui vient pas en aide. Dans plusieurs cas de nos jours, ceux qui connaissent meurent plus que ceux qui ne connaissent pas. Également, ceux qui ont des visions meurent plus que ceux qui ne voient pas. Alors, pour ceux qui
partent en enfer, il y a plus de connaisseurs que ceux qui ne partent pas en enfer. Pourquoi tout cela? À cause de l'obéissance, de la désobéissance. Ce n'est pas l'œil éveillé qui sauve. C'est l'obéissance qui sauve. Balaam. Alors il a l'œil ouvert, il a vu le Tout-Puissant. Il est tombé, s'est prosterné face contre terre. Et il ne se trouva pas en accord avec lui. Des gens vont comprendre les desseins de Dieu. Et ils n'auront point de vision. Vous voyez? Et ça. Obéissons. Et bien, il y a Pierre. Il nous a dit dans 2 Pierre. Il nous. 2:15. L'épître de 2 Pierre, chapitre 2, verset 15. Le cas de Balaam fut évoqué. Et cela puisse nous éclairer. Il nous a dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam fils de Bozor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démarche du prophète. Il nous a dit que le chemin de Balaam existe de nos jours et des gens y suivent. Le chemin de Balaam fils de Bozor, voici son chemin. Le salaire de l'iniquité, prends un salaire et tu mens. Prends cette somme, donne de faux témoignages. Le salaire de l'iniquité, alors prends un salaire et change de comportement. Prends un salaire et fais disparaître la vérité. Vous voyez? Le salaire de l'iniquité. Et ne recevons pas de tels salaires. Le chemin de Balaam existe toujours. Et des femmes et des hommes y suivent. Et ce n'est pas un chemin de bonheur. C'est l'apôtre Pierre qui l'a dit. Que des gens ont suivi le chemin de Balaam fils de Béor. Ils aiment le salaire de l'iniquité. Et cela est vain pour eux. Notre dernier passage. Il y a Jonas. C'est dans Jonas. Tabo. 3. Yemre. 1. Puis il est dans le jusqu'au verset 10. L'Éternel parla à Jonas une deuxième fois en disant, lève-toi, vas-y à Ninive, qui est une grande nation, et prêche la bonne nouvelle que je t'ai transmise. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, et sa largeur était une marche de 3 jours. Jonas fit d'abord une journée de marche dans la ville. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, publièrent jeûne, et depuis les vieux jusqu'aux petits se sont couverts de chaque. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, déposa le manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Alors il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point.
que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence. Qui sait si Dieu ne reviendra-t-il pas et ne se répandira-t-il pas et s'il ne renoncera pas à son ardent problème. Dieu vit ce qu'il faisait ainsi qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se répandit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Nous voyons que les choses sont claires là. Les gens de Ninive ne savaient pas. Et ils ne voyaient pas également. Alors il fut dit à Jonas, lève-toi, vas-y crier à Ninive. Qu'il reste 40 jours. Afin que je fasse de Ninive une désolation. Dû à cause de leur iniquité. Pour Jonas, c'est une bonne nouvelle parce qu'il l'attendait ardemment. Il s'est levé pour s'enfuir. Raison pour laquelle il s'est embarqué pour partir. Et au milieu de la mer, Dieu lui a empêché, tu ne partiras pas. Il dit, si c'en est ainsi, jetez-moi dans la mer. Il fut jeté dans la mer. Quand il fut jeté, alors un poisson l'a accueilli et il l'a avalé. 3 jours après, il ne mourait pas. Le poisson a fait demi-tour avec Jonas pour aller au rive. Alors il s'est dirigé vers Ninive, il l'a déposé pour lui dire, vas-y à Ninive, retourne dans ma mission. Ma mission, tu ne peux pas t'enfuir de là. Alors, ma vocation, tu ne peux pas t'enfuir. Tu ne peux pas t'échapper de moi. Je vais empêcher la mort jusqu'à ce que cette bonne nouvelle soit prêchée. Toi qui devais mourir dans la mer, je vais empêcher la mort. Même quand tu vas demeurer, durant 3 jours, la mort ne va jamais t'atteindre là-bas. Car il y a une mission sur toi. Vous voyez, à cause de l'œuvre de Dieu, vous pouvez ne pas mourir. Et prêcher, crier la voix de Dieu. Et cela peut empêcher la mort sur vous. Là où Jonas est rentré, c'était la mort. Alors, il avait la mission d'évangile sur lui. La mort ne lui a pas fait mourir. Il s'est levé pour aller crier aux gens de Ninive. Arrivé à Ninive, et il a fait part de cette nouvelle qui ne laissait que 40 jours afin que Ninive soit détruite en entier. Quand il est allé prêcher cette voix, alors cette voix parvint au roi. Le roi ne savait pas et il n'avait jamais appris. Quand il a entendu, qu'est-ce qu'il a fait? Le roi s'est levé. Alors, il s'est acquitté, s'est attaché à cette nouvelle-là. Et il a fait sortir des gens avec des chevaux d'aller dans tous les coins et les recoins du pays pour dire que la nation était large. Alors, si vous voulez traverser toute la longueur, c'est une marche de 3 journées. Vous voyez que durant 3 jours, pour marcher, même si chaque jour vous devez faire 20 km, vous avez à peu près 60 km. La Bible dit, sachez qu'en un seul jour, la nouvelle parvint aux habitants de Ninive. Et le roi a dit, je n'ai pas vu. Je ne vois pas. Je n'avais pas vu. Maintenant j'ai entendu. Ce qui arrive, je ne cherche pas à savoir. Alors je recommande aux gens de ma nation. Demain. Que à partir des animaux
que tout le monde jeûne. Les gros et les menus bétail, jeûnez. Les grands et les petits, soyez jeunes. Ce qui suit, demain que personne ne soit habillé d'un habit. Que chaque personne se recouvre de sac. Afin que nous créions le Dieu du ciel pour nous repentir à cause de nos péchés. Il est dit que le roi même s'est vêtu de sac. Du fait qu'il a entendu la parole de Dieu. Alors, ce fut ainsi. Alors, si vous avez les critères de ce roi et que vous ne voyez pas Dieu et vous le craignez néanmoins, vous parviendrez au paradis. L'évangélisation, si vous vous amusez avec faire que les conseillers de Dieu vous parlent du jugement qui arrive, si au lieu d'accepter cette nouvelle là vous vous levez contre les évangélistes, vous pouvez rester dans le problème. Vous voyez raison pour laquelle, puisque ces gens ont obéi, Dieu s'est repenti de ce qu'il avait résolu de faire. Dieu déclare, si quelqu'un se répand, je me répands. Dieu s'est uni à toute personne qui aime la vérité. Que Dieu nous donne des chefs. Ainsi, si vous imitez de ce roi et vous soyez humble comme le roi fut humble, malgré quelle que soit la couleur de vos péchés, le Dieu qui se repentait, qui avait pardonné Ninive, vous pardonnera. Parce que pour les gens de Ninive, c'était des hommes, des gens abominables. Tuer quelqu'un, c'est rien pour eux. Et comme le roi de Ninive fut le premier à s'humilier en se couvrant de sac, et de la même manière, les gens ont imité leur roi. Presque toutes les fois, les gens aiment que les leaders, les responsables fassent le premier pas afin qu'ils puissent voir Dieu. Et à cause du décret du roi de Ninive, toutes choses furent rentrées dans l'ordre. Pour la bonne nouvelle, si le gouverneur devait s'y mêler à la bonne nouvelle de Dieu, cela se propagera très loin. Regardez le roi qui s'est mêlé dans l'affaire de Jonas. Sachez qu'en un seul jour, la nouvelle parvient aux habitants de ce pays de 3 jours de marche. Ainsi, si les rois peuvent se mêler dans la bonne nouvelle de Dieu pour que les gens aient la vie, nous tirons la conclusion qu'il y a cette personne-là qui ne peut pas s'associer à Dieu. Tout le monde peut prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Ainsi, notre thème est intitulé « Obéis à ce que tu vois ». La vision aide quelqu'un. Si quelqu'un a une vision et qu'il obéit à la vision, elle séparera des problèmes. De même, si quelqu'un n'a pas la vision et s'il est instruit et s'il obéit à cette instruction, alors il se préservera des problèmes. Ainsi, nous allons nous arrêter là et prier pour vous, afin que Dieu puisse vous aider. Notre Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons te louer, parce que tu nous as aidés. Et nous avons découvert que tu désires que toute personne se répande, afin que tu l'améliores sa vie. Nous te rendons grâce pour ta lumière. Les hommes et les femmes vont t'écouter. Nous allons te supplier pour ces ans. Si quelqu'un t'écoute et il est triste de sa vie, s'il se rend un pour se répandre,
S'il te plaît, reçois sa requête. La question est sous. Et pardonne à cette personne. Malgré ce qu'il avait commis comme acte. Et que ses péchés sont comme les péchés des gens de Ninive. Si quelqu'un t'écoute et qu'il t'obéisse, pardonne à cette personne-là. Au nom de Jésus-Christ. Et bénis-les. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Akasam basaka, akasam akasam basaki haba, akavima sama fazi, akavima sama me.